La chronique de Hassan Kassimi. Bonjour Hassan Kassimi. Bonjour Hajar. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, les élections présidentielles aux États-Unis fascinent le monde. Pourquoi, d'après vous Jamais un événement national n'a suscité autant d'intérêt et d'inquiétude dans le monde. Les actes et les paroles de chaque candidat étaient scrutés pour tenter de déchiffrer. Le moindre fait saillant ou insolite, un élément nouveau dans cette campagne électorale a été introduit par Elon Musk, qui a mis à la disposition de Trump 130 millions de dollars et sa plateforme X ou Twitter, lui ayant permis d'intégrer le staff gouvernemental de Trump. Un tel événement américain n'est rien d'autre que l'expression d'un leadership mondial exercé par ce pays. L'Amérique continue à être la seule superpuissance qui impose sa loi au monde. Biden a toujours affirmé que l'Amérique continuera à exercer son leadership mondial. Le scénario subversif de Biden déclenché contre la Russie a produit des effets inverses, ayant permis à la Russie d'agrandir ses frontières, de bloquer l'extension de l'OTAN, d'affaiblir l'Europe et de mettre en échec l'Amérique, qui sait désormais que son leadership mondial est déjà contesté par de nouvelles nations qui ont la ferme volonté d'aller vers un monde multipolaire. Donald Trump est le vainqueur de cette élection présidentielle. Il est présenté comme un homme hors pair, exceptionnel et providentiel. L'électorat juif qui a voté à 70% pour Joe Biden fait de Trump un président qui sera moins redevable envers les lobbies juif, trump croisera le fer avec Netanyahu. il fera toute la pression pour provoquer son départ, mais il protégera les intérêts de l'entité sioniste. trump, qui a transféré l'ambassade américaine à jérusalem, reviendra à la solution à deux états. la paix sera instaurée en ukraine et l'europe sera le dindon de la farce de ses jeux, de ses enjeux géostratégiques. trump ne fera pas la guerre à l'iran, mais il engagera ce pays. Contre ce pays, la politique de la pression absolue pour l'affaiblir et réduire son influence. Mais une telle stratégie a été déjà mise en œuvre dans le passé sans résultat. Trump dispose d'un pouvoir absolu grâce à une victoire écrasante lui donnant une plus grande liberté d'action. Donald Trump a promis de manière surprenante de faire la paix dans le monde. Trump a promis de mettre fin à toutes les guerres et il dispose de tous les moyens constitutionnels pour réaliser cet objectif. Trump considère la guerre comme un obstacle majeur à la liberté du commerce. La situation économique de l'Amérique s'est fortement dégradée et il a promis d'améliorer la situation des Américains. Dans le domaine de la paix, Trump subira de fortes pressions et il sera confronté à la légalité internationale. Au Sahara occidental, Trump doit tirer les leçons de son fameux tweet adressé au roi Mohamed VI. Sur cette question, Trump a bien compris que la légalité internationale d'un territoire ne se décide pas par un tweet ou par un courrier colonial à la française, fortement rétribué comme une vulgaire transaction commerciale. La paix dans le monde passe par la décolonisation des territoires occupés illégalement et Trump doit absolument emprunter cette voie pour être crédible. Toute entreprise de paix par la force et la contrainte, c'est la guerre et c'est le contraire des promesses électorales de Trump en matière de paix. L'Algérie est un militant inlassable dans le monde et au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie apportera en Afrique, dans le monde arabe, en Méditerranée et dans les organisations internationales sa forte contribution pour bâtir un monde de paix sans guerre. Merci à vous Hatem Drassimi. On se retrouve, on se dit à demain pour une nouvelle oui. thématique. Il est sept heures. Merci, bonne bien. journée à vous aussi. Il est sept heures cinquante-quatre minutes sur les ondes d'Alger Chien 3.